le dragon ne sortit plus de sa grotte. Il ne supportait plus les sarcasmes de ses amis. Qu'est-ce que c'est que cette odeur de pied? Mais les habitants, attristés eux aussi, de ne plus voir leurs amis, se réunirent et décidèrent de le laver contre son gré. On allait user de stratagèmes. Falbala ferait sa soupe, sa fameuse soupe à la potion magique. Mais comme elle en avait l'habitude, prétexterait que la mauvaise saison allait arriver et qu'il fallait prendre des forces pour ne pas être malade. Pour cela, elle lui en ferait boire deux, mais je dis deux belles louches. C'est recommandé, hein? Deux. Jean-Claude le dragon but goulûment la potion. Il faut dire qu'il est très gourmand et qu'il n'a jamais pu résister aux bonnes soupes que confectionne Falbala. Chapeau, Falbala. Le chef Falbala. Quelques instants plus tard, il s'était endormi. C'est là que les habitants du royaume enchanté arrivèrent en catimini. On employa les grands moyens. Il faut dire que la tâche était grande. Jean-Claude ne s'était pas lavé depuis très longtemps. Et une fois ses ailes déployées, il y avait de quoi nettoyer. Les habitants du royaume enchanté décidèrent. Il est grand comme là, jusque là-bas. Jusque là-bas, là. Oui. Quand les ailes sont déployées. Et oui, ça fait beaucoup à nettoyer. Les habitants du royaume enchanté décidèrent que le mieux serait de le laver. On ajouta une bonne dose de savon pour qu'il sente bon. On les enlevait à la bouche. Et on les échouait non pas sur le fil, mais sur le bonbon du matin. Ainsi fut fait. Et
c'est pas tout. Depuis le lavage, il fait des bulles comme il respire. Et la tristesse ne le quitte plus. Lui qui est de si belle couleur, lui qui faisait la fierté des habitants du royaume. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour ressortir le livre des recettes magiques. Et l'on découvrit que Jean-Claude pouvait retrouver les belles couleurs d'antan. Si les habitants du royaume enchanté trouvaient les solutions à quelques énigmes. La princesse qui avait fait de très études proposa ses lumières. Jamais à résoudre les trois dernières énigmes. Il faut dire qu'elles étaient très difficiles. Alors les habitants décidèrent de demander aux hommes qui vivaient sur la planète Terre de leur venir en aide. Il y avait urgence car la vie était devenue très triste depuis que Jean-Claude, le dragon, avait perdu ses couleurs. Tout le royaume en couleurs vivait au ralenti. Chacun se sentait coupable de l'avoir mis dans cet état de tristesse si gris. Le temps était compté. Vite, vite, il en va de la survie de notre royaume. Sur la terre, il faut aller. Il n'y a pas de mec alors. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des femmes talentueuses.
ok, on forme aussi un 3D là. Je crois que plutôt c'était une femme en 3D. C'est la meilleure, la première. Ça va pas être facile, les amis. Elle a perdu son tarantumon, là. Elle s'est ploué son tarantumon. Est-ce que le tarantumon pourrait lever la main, s'il vous plaît? Ah, le manqué, hein. Vous pouvez remarquer, c'est entièrement. Vas-y, vas-y. Tu as ton mal en 3D à côté du poteau. C'était le poteau rose. C'est bien, c'est jamais les mêmes, tu n'as rien d'autre. Jamais. C'est plus facile pour vous. Nous avons nos repères. Ils en trouvèrent trois. Messieurs, dames, trois. Pas deux, mais un, trois. Trois. Oui. Alors, ils se sont fait prier, mais ils ont accepté volontiers. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver un dragon en détresse. Maintenant, l'heure est grave. Concentrons-nous. Le dragon retrouvera-t-il ses couleurs qui faisaient sa joie et celle du royaume? Vous le saurez après une petite page de publicité. Boudjou! Qu'est-ce qu'il est blanc, ton dragon? Estibourlat! En plus, il brille! Il est neuf! Mais non! Je le lave au dragonite. Ocho! Dragonite, la lessive des dragons en couleur.